Un vote sans incident majeur, libre et démocratique. Les Égyptiens en ont rêvé. Une révolution, des morts, puis un dictateur chassé par la rue. Le processus vers la liberté est en marche, mais pas assez vite pour les irréductibles de la place Tahrir. La démocratie fait son chemin, mais on n'y est pas encore. Les choses se font graduellement, c'est la vie. Ça ne peut pas se faire en un jour, spécialement ici où la répression du conseil militaire ralentit les choses. En un an, le monde arabe a connu des bouleversements aussi intenses qu'imprévisibles. Les Tunisiens et les Égyptiens viennent d'organiser les premières élections libres de leur histoire et les Libyens découvrent la liberté. Après l'enfer de la dictature, puis de la guerre, l'espoir. Dans 10 ans, nous aurons une meilleure qualité de vie que les Européens, si Dieu le veut. Parce que nous avons les moyens, nous avons des ressources. Nous n'aurons pas besoin d'aller en Europe. L'Europe aura besoin de nous ici. Fini la répression et l'immobilisme, place à la transition vers la démocratie. Une transition islamiste. En Égypte ou en Tunisie, ce sont eux qui recueillent les fruits du printemps arabe, suscitant des questions sur leur capacité à gouverner, parfois même des inquiétudes. Si quelqu'un dit qu'il est musulman et quelqu'un d'autre dit qu'il est athée, oh, comment ça? Pourquoi? Il faut respecter. Si tu veux la démocratie, respecte le choix d'autrui. Pour ce chercheur, l'heure de l'épreuve du pouvoir est arrivée pour les islamistes. Ceux qui attendent des miracles pourraient être déçus. Les islamistes ne font plus rêver, mais le seul rêve qu'ils proposent, c'est une certaine forme de pragmatisme, d'où d'ailleurs la référence récurrente d'ailleurs au modèle turc. Démocratisation en marche en Égypte, Libye et Tunisie donc. Le Yémen, lui, est sur le point de tourner la page d'un régime autocratique alors que les Syriens commencent à apercevoir le bout du tunnel malgré la répression sanglante.